Merci d'être là ce soir et de prouver une nouvelle fois la force de votre engagement. Ce soir, vous donnez tort à tous ceux qui voudraient faire croire que nous avions renoncé. Vous donnez tort à tous ceux qui pensent que la politique ne suscite plus de ferveur. Vous donnez tort à tous ceux qui pensaient que notre famille politique ne pouvait plus compter sur l'engagement de nos militants. Qui aurait pu penser, il y a quelques mois encore, qu'une élection interne pourrait susciter un tel enthousiasme, une telle mobilisation? Qui aurait pu penser, après 2 années si difficiles, que vous auriez encore une telle envie de débattre, d'échanger et de réfléchir? Vous avez parfaitement compris la portée de cette élection. Il ne s'agit pas simplement d'élire un nouveau président pour notre mouvement. Il ne s'agit pas simplement de définir un nouvel organigramme. Il ne s'agit pas simplement de dire qui fera quoi. Il s'agit de sortir notre famille politique d'une période de division qui nous a rendus inaudibles et qui nous a humiliés, parce que nous n'avons pas le droit d'être divisés face à la situation de notre pays. Je le dis devant Philippe, je le dis devant Catherine, je le dis devant Jean. La division a miné partout notre famille politique, y compris en Alsace, y compris dans l'Est de la France, dans toute la France. Il s'agit pour moi de mettre fin à des querelles d'égo qui ont donné une image dévastatrice de notre famille politique. Il s'agit pour moi de sortir d'une approche de la politique dans laquelle les logiques individuelles l'emportent toujours sur les exigences du collectif. Il n'y aura pas de réussite individuelle sur la défaite du collectif. C'est aujourd'hui le temps du collectif et non pas des ambitions individuelles. Au fond, il s'agit de refaire, mon cher Jean, de l'unité, le principe de base de notre famille politique, son exigence première. Redonner à notre famille politique son unité, tourner le dos aux divisions internes, c'est la raison profonde de ma candidature. Et je veux que les choses soient claires entre nous. Si je suis élu à la tête de notre mouvement, il n'y aura plus de courant, il n'y aura plus de tendance, il n'y aura plus de chapelle. Il y aura un mouvement politique dont l'obsession sera le redressement de la France. Si je suis élu, il n'y aura plus autant de positions que d'élus. Il y aura un projet, celui de notre famille politique. Si je suis élu, la primaire ne s'engagera pas 3 ans avant l'échéance. Si je suis élu, je vais employer un mot qu'on n'emploie plus jamais. Notre famille politique renouera avec l'autorité. Il n'y a pas de famille qui puisse fonctionner sans un minimum d'autorité. L'autorité, cher Philippe, chère Catherine, cher Jean, l'autorité n'exclut pas le débat. Mais le débat sans autorité n'aboutit qu'à la confusion. Je ne veux pas de confusion. Si je suis élu, la priorité de notre famille politique sera ce qu'elle aurait toujours dû être depuis 2012. S'opposer d'un côté, proposer de l'autre. La situation de la France est si difficile. La colère, le désarroi des Français si grand que nous n'avons pas le choix. Si ce n'est pas nous qui portons l'alternative, qui la portera? Une alternative à cette image désespérante d'un pouvoir impuissant. Une alternative à une pratique quotidienne et scandaleuse du mensonge. Une alternative à la tentation des extrêmes. Une alternative à la tentation de penser que la politique ne peut plus rien, qu'elle ne veut plus rien, qu'elle n'apporte plus rien.
Cette alternative, mes chers amis, je souhaite qu'elle incarne cet idéal républicain qui doit nous rassembler. C'est cet idéal républicain dont j'ai l'ambition pour notre famille politique. Un grand projet dans lequel nous n'accepterons aucun renoncement, aucune attaque contre la République. Un grand projet dans lequel les valeurs de la République ne seront plus foulées aux pieds. Un grand projet, au fond, qui reviendra à ce que la République n'aurait jamais dû cesser d'être. La République, c'est l'autorité. Ce n'est pas la culture systématique du laxisme et de l'excuse que le gouvernement nous inflige en guise de politique pénale. Je sais faire la différence entre les victimes et les coupables. Ils ne méritent pas le même traitement. La République, c'est le mérite, c'est la valorisation du travail. Ce n'est pas l'assistanat, ce n'est pas le nivellement, ce n'est pas le refus des notes, ce n'est pas le refus du classement. La République, c'est un grand projet où chacun peut se dire qu'avec son travail, il pourra laisser à ses enfants quelque chose à la fin de sa vie pour que ses enfants puissent commencer un peu plus haut qu'eux-mêmes ont commencé. La République, c'est un espace où on ne considère pas la propriété comme du vol, mais la récompense d'une vie de travail, où à la sueur de son front, on a pu acquérir ce qu'on a volé à personne. La République, c'est un espace où quand on a travaillé dur, qu'on a hérité de rien, on peut se dire que la plus belle chose dans la vie, c'est de transmettre à ses enfants le fruit d'une vie de travail. La République, c'est l'unité. C'est un ensemble indivisible. La République refuse le communautarisme dont nous avons plus cassé. La République, c'est la laïcité, c'est la neutralité du service public. Ce ne sont pas des femmes voilées pour accompagner les sorties scolaires, comme le souhaite la ministre de l'Éducation nationale. Et ce n'est, cher Jean, exclure personne que de dire cela. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à ce point, je voudrais maintenant, après toutes ces années où chacun a demandé ce qu'il voulait de la République, je voudrais que chacun prenne le temps de réfléchir à ce que la République doit lui demander à lui. Parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Et maintenant, c'est le moment de s'interroger sur ce que nous tous, nous pouvons faire pour la République. La République, c'est la vérité. Cette vérité qui consiste à affronter des débats difficiles que nous aurons à affronter. On doit pouvoir parler de la question de l'immigration, de la question de l'intégration, de la question de l'assimilation, de la question de la sécurité, sans être immédiatement accusé de détester l'autre, d'être fermé ou d'être un extrémiste. Les extrémistes, c'est ceux qui veulent nous empêcher de parler des questions qui vous préoccupent et qui préoccupent les Français. C'est eux les extrémistes, c'est pas nous. Dans un couple, mes chers amis, quand on ne parle plus, un jour on se réveille avec une fracture qu'on ne peut plus résoudre. Dans une société, quand on refuse le débat sur les sujets qui intéressent les Français, un jour on se réveille avec des Français qui ne croient plus en la République, qui ne sont plus accessibles à aucun raisonnement et qui décrochent de l'idéal républicain. La République, c'est le lien direct avec le peuple. Ce n'est pas le court-circuitage permanent par les corps intermédiaires et la pratique quotidienne de petits arrangements entre amis. Dans la République, on ne redoute pas le référendum, parce que dans la République, on n'a pas peur de donner la parole au peuple, parce que le peuple exige aujourd'hui de donner son avis. Mes chers amis, la République, c'est aussi une pratique du pouvoir, une recherche permanente de l'équilibre entre des positions qui sont sur de très nombreux sujets souvent différentes. Je suis effaré de voir le plaisir qu'un grand nombre de mes amis ont à cultiver des positions tellement différentes en s'abstenant d'essayer de comprendre la position de l'autre à côté.
Dans la République, on respecte les idées de ceux qui ne pensent pas comme vous. Pour moi, il n'y a pas d'un côté les intelligents qui auraient le droit de parler à tout bout de champ dès qu'un micro est ouvert, et les stupides, ceux qui ne seraient pas d'accord avec la pensée unique. Dans la République, il n'y a que des citoyens égaux en droit et en devoir. Il n'y a pas ceux qui ont le droit de parler et ceux qui ont le droit de se taire. Dans la République, on arrête de caricaturer ceux qui ne partagent pas le point de vue de la pensée unique. On en a plus qu'assez d'entendre à longueur de télévision et de radio des idées qui ne sont pas les nôtres et qui sont profondément minoritaires dans notre pays. Dans la République, on respecte toutes les minorités. Mais il y a un moment où il faut dire « ça suffit ». Et ce moment, c'est où, au nom du respect des minorités, on finit par culpabiliser la majorité qui a bien le droit d'exprimer également son point de vue. C'est cela, la République. Et dans la République, on n'ignore pas des pans entiers de la population. Ici, à Mulhouse, je veux condamner cette pratique du pouvoir en place qui érige en cible politique des catégories entières de Français. Sont coupables aujourd'hui les familles qu'il faut dénoncer, à qui il faut supprimer le quotient familial, les allocations familiales et la politique familiale. Qu'ont-elles ces familles pour qu'on les accuse de tous les maux possibles et imaginables? Qu'ont-elles fait, si ce n'est travailler dur? Je veux condamner cette pratique du pouvoir qui dénonce les professions libérales, les chefs d'entreprise, les artisans, les travailleurs indépendants, dont on lance à la tête de l'opinion publique des faux chiffres sur ce que prétendument ils auraient gagné pour les faire détester, pour les faire montrer du doigt, pour faire en sorte que plus personne ne soit respecté dans notre pays. Cette République-là, ce n'est plus notre République. Et ici à Mulhouse, je condamne cette pratique du pouvoir en place qui impose ses projets au mépris de tout dialogue, de toute écoute, de tout respect, comme vous le vivez ici, où pour faire plaisir à des écologistes politisés, on a promis une fermeture de Fessenheim qui n'a aucun sens dans un pays comme le nôtre, qui n'a pas de gaz et qui n'a pas de pétrole. Est-ce qu'au moins on pense à ces ouvriers de Fessenheim? Est-ce qu'au moins on pense à l'indépendance énergétique de l'Alsace? À moins qu'on ait peur d'un tsunami sur le Rhin, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur le Rhin faire une croisière pourtant tellement magnifique. Et oui, Jean, oui, Philippe, oui, Catherine, je conteste la réforme de la carte territoriale. Les Alsaciens ont été touchés dans leur âme par ce projet de réforme territoriale qui illustre le mépris que ce gouvernement témoigne à l'histoire de l'Alsace et aux racines alsaciennes. Cette incroyable prétention à prétendre que ce gouvernement qui connaît si mal l'Alsace est mieux placé que les Alsaciens pour parler du développement économique de votre région. J'ai même entendu un responsable politique critiquant les Alsaciens qui risquait de s'isoler, alors que de toutes les régions de France, l'Alsace est la plus ouverte au cœur de l'Europe. Mais pour cela, encore faut-il être venu au moins une fois dans sa vie en Alsace. Alors je vous le dis clairement. Alors je vous le dis clairement, je ne suis pas quelqu'un qui a peur en général et qui a peur en particulier de la pensée unique. Tu as rappelé, Jean, quelque chose qui m'a beaucoup touché, les malgré nous. Moi, j'ai lu bien, bien longtemps Le soldat oublié. J'étais très jeune quand j'ai lu ce livre de Guy Sagère. Très jeune. Ça m'a marqué à jamais. Et je savais qu'ici, en Alsace, il y avait des gens qui avaient été deux fois victimes. Une fois parce qu'ils avaient été enrôlés de force, et une autre fois parce que, revenant, on les avait accusés alors qu'ils étaient des victimes.
Je n'ai pas voulu écouter la pensée unique. J'ai été parler avec mon cœur aux Alsaciens pour leur dire c'est une partie de votre histoire et la République doit réparer cette partie de votre histoire. De la même façon qu'à Verdun, j'ai fait la différence entre ce petit jeune de 17 ans qui était sur les bombes, dans la crasse et dans le froid pendant des mois, peut-être même des années, et qui n'a pas eu le courage de sortir de la tranchée. Je n'ai pas voulu qu'on le traite comme un objecteur de conscience, simplement comme un jeune garçon qui avait été au bout de ce qui lui était demandé et qui, à un moment donné, n'en pouvait plus et n'avait pas pu sortir de la tranchée. On ne traite pas de la même façon quelqu'un qui est victime parce qu'il a été au bout de quelqu'un qui fait un choix politique de refuser de se battre pour son drapeau et pour sa patrie. C'est le refus de la pensée unique. C'est la possibilité de voir l'histoire de la France telle que nous l'aimons. Alors je vous le dis clairement, je ne serai pas engagé par le découpage administratif auquel procède l'actuel gouvernement. C'est leur loi, ça ne sera pas la nôtre. Et vous les Alsaciens, et tu sais très bien Philippe ce que je pense, vous serez libres de choisir votre organisation le moment venu. Mais ce découpage administratif qui ne tient aucun compte des réalités historiques, des réalités économiques, des réalités territoriales et dont la seule prétention est de satisfaire les ambitions des barons du Parti socialiste, ce n'est pas la politique de la France. Nous ne sommes pas engagés par cette politique et lorsque nous reviendrons aux responsabilités, nous déferons ce qui a été si mal construit à l'inverse de l'âme de votre région. Mes chers amis, pour terminer, avant de répondre à vos questions, au sein même de notre famille politique, nous avons entre nous, au-delà de ce qui nous unit, des sensibilités qui sont différentes. Nous avons beaucoup de sujets complexes qui nous attendent, pour lesquels nous devons chercher un point d'équilibre et le faire respecter par tous. Si je suis élu à la tête de notre famille politique, je ferai de cette recherche du point d'équilibre une priorité. Je le ferai dans le respect des positions des uns et des autres, parce que notre famille doit réapprendre à s'écouter. Je le ferai en refusant toute forme de caricature, parce que notre famille doit réapprendre à se respecter. Et je le ferai en soumettant au vote des militants une position d'équilibre, parce que notre famille doit réapprendre à donner la parole à ses militants. Nous ne devons pas avoir peur de débattre. Nous devons au contraire encourager le débat, mais dans l'écoute et dans le respect de tous. Nous ne devons pas avoir peur des gens qui ne pensent pas comme nous. Nous devons aller à leur contact, car ignorer délibérément la pensée des autres, caricaturer systématiquement leurs craintes, dénaturer leurs convictions, c'est faire le jeu des extrêmes. Et je vais vous dire une chose, j'en ai assez d'entendre les leçons de morale de Mme Le Pen, qui a permis l'élection de François Hollande le 6 mai 2012. Elle porte la responsabilité du désastre auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et qu'on arrête de l'appeler extrême droite, alors que ce qui l'intéresse, c'est le programme économique de M. Mélenchon. Si elle veut le programme économique de M. Mélenchon, qu'elle aille à l'extrême gauche. Et celles et ceux d'entre vous qui, par déception, par crainte que je peux comprendre, ont voté pour le Front National, doivent savoir que vous votez pour quelqu'un qui a fait un marchepied à François Hollande et pour quelqu'un qui veut le programme économique de l'extrême gauche. Ça gêne, mais c'est la vérité. Et cette vérité-là, personne ne m'empêchera de la rappeler. Par ailleurs, j'ai vu qu'on s'étonnait que je discute et que je dialogue avec des jeunes responsables qui sont venus à la politique récemment. Mais ce qui devrait étonner, mes chers amis, c'est que je sois le premier à le faire, c'est qu'on ne l'ait pas fait bien avant, parce que si on ne discute pas avec ceux qui ne pensent pas exactement comme nous, comment on les fait revenir chez nous? Si on ne va pas au contact avec eux pour les convaincre, comment on les convaincra? Est-ce que vous croyez qu'il y a une chance un jour qu'on rassemble plus de la moitié des Français en restant comme une secte entre nous, en refusant de parler aux autres, en refusant d'écouter les autres,
en refusant d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, de leur déception dans le passé, de leur crainte pour l'avenir, de leur volonté pour la France. Est-ce que c'est ça la politique ? Non, la politique, c'est aller au contact, c'est de rencontrer les gens, y compris quand c'est un peu rugueux. La politique, c'est aimer les gens. Aimer les gens, c'est aimer les convaincre, c'est aimer aller les chercher en leur disant « viens avec nous, aide-nous à construire la grande formation politique qui va redresser la France ». Je vous remercie. Et maintenant, je me livre à vos questions. Ben, si, il y a un micro, mais il faudrait que la personne qui a le micro l'utilise. C'est tout. Alors que la personne qui a le micro l'utilise. Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Vous connaissez très bien la centrale de Fessenheim. Vous pourriez être venu en février 2012. Où êtes-vous ? Je suis là. Ah bon. Et là, c'est où ? À droite. À droite. OK, d'accord. D'accord. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, oui. Donc, vous vous êtes exprimé sur la centrale de Fessenheim au cours de votre discours, et j'ai apprécié la tonalité de votre affirmation. Je voudrais connaître votre avis sur la loi de transition énergétique, qui est en cours de débat au Parlement, en général, et votre avis sur la réduction de la part du nucléaire, de la part actuelle à 50%, prévue en 2025, dans le cadre de cette loi. Oh, écoutez, je vais essayer d'être le plus franc et le plus clair possible. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la politique du gouvernement actuel. Si le nucléaire est dangereux, il faut le supprimer à 100%, pas à 50%. Et si le nucléaire n'est pas dangereux, pourquoi le supprimer ? Pardon, je sais, c'est pas technique, mais c'est assez cohérent. Je m'explique. Je vais recommencer. Moi, je crois au nucléaire. Moi, je pense qu'il y a des générations d'ingénieurs français qui ont travaillé depuis le général de Gaulle pour donner à la France une indépendance énergétique. Je crois que c'est notre force. Le consensus sur le nucléaire français n'avait jamais été brisé. Général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, moi-même, quelles que soient les alternances, on avait veillé à respecter le travail fantastique de cette filière nucléaire française qui fait notre force et qui fait notre honneur dans le monde. Pour gagner un misérable congrès d'écologistes politisés, on veut sacrifier la filière nucléaire française. Je ne peux pas l'accepter. Qu'on soit contre le nucléaire, je peux l'entendre. Mais dans ce cas-là, qu'on soit logique. 58 centrales nucléaires ou 30 centrales nucléaires, le danger est le même. C'est là où on voit qu'on est dans la politique politicienne, monsieur. Car s'il y avait un danger, qu'on nous le dise, mais dans ce cas-là, le danger, il est valable en Seine-Maritime comme en Alsace. Et on a pris cette décision à la suite de l'incident nucléaire au Japon, qui a été provoqué par un tsunami qui a brisé les pompes qui permettaient de refroidir la centrale. Est-ce qu'on a vraiment peur du tsunami sur le Rhin ? Est-ce que c'est ça le sujet ? Donc, ma position sur le nucléaire, c'est que c'est une chance. J'ajoute que plus on investira dans le nucléaire, plus le nucléaire sera sûr. Plus on a les nouvelles générations de centrales nucléaires, moins il y a de risques pour le futur. C'est une industrie, c'est une énergie qui est inépuisable et c'est une énergie qui ne pollue pas. Et à ma connaissance, nous n'avons pas connu, depuis 60 ans, un incident nucléaire qui ait posé un problème, pas simplement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Qu'il faille développer les énergies renouvelables, j'en suis tout à fait d'accord. Mais y a-t-il une personne qui a réfléchi à cette question, qui pense qu'avec les éoliennes, on peut remplacer le parc nucléaire français ? Y en a-t-il une ?
Ah, ça me rassure. Et permettez-moi de vous dire, j'ai rien contre les éoliennes, mais pour le paysage alsacien que j'aime tant, je ne suis pas persuadé qu'en mettre partout soit la meilleure solution pour l'ensemble de vos élus et pour l'ensemble de la population. Alors, il y a le débat que je souhaite avoir en plus, je le dis là aussi tel que je pense, je ne peux pas accepter que les États-Unis d'Amérique deviennent parfaitement indépendants en matière énergétique parce qu'ils exploitent le gaz de schiste et que nous-mêmes en France, on s'interdise même l'expérimentation du gaz de schiste. Entre faire n'importe quoi et ne rien faire, il y a une question qui est clairement posée. Les autres ne sont pas tous des imbéciles. S'ils réussissent à le faire proprement, je ne vois pas pourquoi en France, on ne pourrait pas aussi développer le gaz de schiste. Il n'y a pas d'économie sans énergie. Nous avons dans notre sous-sol une énergie abondante et peu chère. Notre pays est ravagé par le chômage. La priorité, c'est de retrouver de la croissance pour que nos entreprises puissent créer des emplois pour vos enfants. Est-ce qu'on peut dire, a priori, que jamais on utilisera le gaz de schiste ? Ou est-ce qu'il ne faut pas, à un moment ou à un autre, se poser la question de savoir si ce que font les autres, au fond, ce n'était pas aussi intelligent que ce qu'on ne fait pas nous-mêmes ? Enfin, dernier point, et j'espère que j'aurai été monsieur complet. Moi, je ne juge pas les organisations syndicales. La CGT, qui a toujours été attachée à la filière nucléaire française, son secrétaire général, M. Thibault, a appelé à voter pour un candidat, François Hollande, qui promettait de démanteler la filière nucléaire française. Qui a menti ? Qui a trahi ses mandants ? J'ai l'impression que ce n'est pas moi et que c'est plutôt les autres. Monsieur le Président, une question en haut, dans le coin, à droite. À droite. Mais la mienne ou la vôtre ? La vôtre, la vôtre. À ma droite, d'accord. OK. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous savez que, outre l'Alsace et la Moselle, la sécurité sociale est complètement déficitaire dans notre pays. C'est un gouffre sans fond. Les entreprises seraient capables de doubler le salaire net, c'est-à-dire le salaire additionné des charges salariales plus les charges patronales, ce qui relancerait bien entendu l'économie immédiatement, puisque les salariés verraient leur salaire doublé. Et ils s'assureraient par eux-mêmes auprès d'entreprises privées pour un service d'une bien meilleure qualité et pour un coût bien moindre. Seriez-vous prêt à faire un référendum pour demander l'avis du peuple ? D'abord, je crois à l'utilité de la procédure référendaire. Je ne suis pas sûr que le référendum soit le mieux placé pour qu'on demande l'avis aux gens sur la réforme de la sécurité sociale, je vais y venir, qui n'est pas le sujet le plus simple. Je prends un exemple. Je n'ai pas voulu faire de référendum sur la Constitution européenne. Je l'assume. Je l'avais dit lors du débat avec Mme Royal au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2007. Parce que je pense qu'on ne répond pas à une Constitution de 464 articles par oui ou par non. En revanche, si le service militaire existait encore, j'aurais demandé aux Français leur avis sur la suppression ou sur le maintien du service militaire. Question simple, réponse simple, oui ou non. Mais je ne vais pas m'en tenir là sur la sécurité sociale. Lorsque nous aurons à reprendre les responsabilités du gouvernement, et au fond, ça sera le seul acquis de M. Hollande, il nous aura mis si bas. Il nous aura mis dans une telle difficulté, le mur de toutes ces erreurs sera si haut qu'on n'aura pas le choix, il faudra nous-mêmes sauter très haut, aller très vite et aller très loin, monsieur. Et la première chose que je pense, c'est qu'il faudra faire un effort massif de transfert des charges qui pèsent sur la production vers la consommation. C'est incontournable et je veux m'en expliquer avec vous d'un mot. Nous sommes en Europe. Je souhaite que nous restions en Europe
Et je pense que nous sommes plus forts en Europe que sans l'Europe. Mais si nous sommes en Europe et qu'il y a la liberté de circulation des personnes et des biens, nous ne pouvons pas imposer à nos entreprises des charges que les autres ne connaissent pas. C'est un problème de bon sens. Ce n'est pas un problème d'idéologie. Nous n'avons donc pas le choix. Il va falloir diminuer massivement le niveau de nos dépenses publiques, transférer massivement des charges qui pèsent sur la production et les transférer sur la consommation. J'ajoute, mes chers amis, que dans cette affaire, la rapidité d'exécution sera incontournable et qu'il nous faudra poser la question très complexe de l'autonomie des collectivités territoriales. Lorsque j'étais président de la République, nous avons supprimé 165 000 postes de fonctionnaires. Problème. Dans le même temps, les régions socialistes, les départements socialistes, les communes socialistes en ont créé autant. En résumé, pour la France, c'était comme un coup blanc. Donc nous allons devoir imposer le 1 sur 2 aux collectivités territoriales. Mais, parlant sous le contrôle de Jean, de Catherine et de Philippe, comme des élus qui sont ici, je souhaite que dans le même temps, nous donnions aux maires et aux élus la possibilité de négocier la durée de temps de travail dans leur collectivité et de voir également, par les heures supplémentaires, une capacité d'autonomie dans la gestion de leur masse salariale. Je vais m'expliquer là-dessus. Aujourd'hui, un maire, un président de région, un président de département, avant même d'avoir décidé quoi que ce soit, prend 3 à 3,5% d'augmentation de sa masse salariale du fait de la GVT, glissement vieillesse technicité, sans qu'il ait pris la moindre décision. Pourquoi on n'a pas le droit de parler entre un maire et ses collaborateurs de la durée du temps de travail? Pourquoi on n'a pas le droit de parler, Monsieur le Président, entre un président de conseil général et ses collaborateurs du salaire? Pourquoi on n'a pas le droit de parler, Monsieur le maire de Belfort, entre un maire et ses collaborateurs du statut? Est-ce que tous les employés de la mairie de Belfort doivent avoir un statut à vie, ou est-ce que les informaticiens du statut de la mairie de Belfort ne pourraient pas être engagés sur un contrat de 5 ans, les ingénieurs sur des contrats de chantier ou des contrats de mission, pour vous redonner de la souplesse dans la gestion de la marge salariale et de la politique salariale de vos communes, de vos départements et de votre région? En résumé, on baisse les dépenses publiques, on transfère les charges de la production vers la consommation et on rend à nos entreprises une capacité à gagner des parts de marché et à survivre dans la compétition. Mes chers amis, moi j'accepte que nous ayons un déficit momentané de compétitivité avec les Indiens ou avec les Chinois, pas avec les Allemands, pas avec les Anglais, pas avec les Espagnols, pas avec les Italiens, pas en Europe. On n'a pas fait l'Europe pour cela. Un dernier mot, si vous me permettez. Vous savez tous, je le dis dans une région, et chère Nadine, je ne parle pas simplement de l'Alsace, l'Est, qui a tellement souffert de la guerre, à qui on a tellement raconté de choses, à vos grands-parents, où ici, chaque parcelle de la terre est rouge du sang qui a été versé par vos arrière-grands-parents, vos grands-parents. Je le dis ici, je crois à la convergence avec l'Allemagne, mais je ne peux pas accepter qu'en Allemagne, des entreprises et des exploitations agricoles puissent engager des travailleurs turcs, bulgares, roumains en dessous du SMIG et que nos propres exploitations agricoles et nos propres entreprises ne puissent pas engager en dessous du SMIG parce que les règles d'un côté de la frontière et les règles de l'autre côté de la frontière ne sont pas les mêmes. Ça mérite qu'on en parle quand même. Et dire cela, ce n'est pas être contre l'Europe, c'est être pour l'Europe. Mais nous n'avons pas fait l'Europe pour subir le dumping fiscal et le dumping social. J'ajoute pour être... C'était pas votre question. C'est vrai. Mais ça me fait tellement plaisir de répondre ça. J'ai le droit quand même. Bon. À un moment, on doit se faire plaisir. Moi, je comprends qu'on dise que ceux qui gagnent plus payent plus d'impôts. Mais il y a deux choses que je ne peux pas accepter. La première, c'est qu'on insulte les gens qui payent l'impôt. On devrait les remercier de payer l'impôt. Parce que s'ils ne payaient pas l'impôt, il n'y aurait personne pour financer les allocations sociales. Et la deuxième chose, on peut parfaitement être pour l'impôt sur la fortune. Mais dans ce cas-là, on sort de l'Europe. Si on est en Europe,
on supprime l'impôt sur la fortune, parce qu'on ne peut pas être le seul pays d'Europe à avoir un impôt sur le capital qui vient s'additionner avec les impôts sur les successions. Il faut être logique. J'écoute. Monsieur le Président, oui. Bonsoir. Frédéric Rousse, conseiller municipal UMP de Delle, dans le territoire de Belfort. Ma question porte sur les rythmes scolaires. Dans ma commune, la mairie socialiste s'est précipitée, sans concertation avec les parents d'élèves, ni avec les élus, ni avec les associations, de mettre en place cette réforme des rythmes scolaires. Le coût total pour la commune de 6 000 habitants a été de plus de 70 000 euros. Une vraie gabegie. Également, ça a provoqué la désorganisation des activités périscolaires et des activités pour les enfants. Ça a désorganisé également l'organisation même des familles. Ma question est très simple. Est-ce que vous abrogerez cette réforme qui a été un véritable foutoir pour nos communes, pour nos familles et pour nos écoles? Oui. Un mot d'explication, parce que... D'abord, il faut quand même qu'un certain nombre de mes amis se rendent compte que si un jour vous votez pour nous, c'est pas pour qu'on fasse une politique socialiste. Parfois, on se demande... Parce que si c'est voté pour nous puis qu'on touche à rien, il y a un moment où il n'y aura plus personne qui votera pour nous. Ni pour les autres, d'ailleurs. Puisque les gens seront tellement désespérés qu'ils ne voteront plus du tout. Et qu'ils ne croiront plus en rien. Alors, qu'est-ce qui me gêne dans cette affaire? Plusieurs choses. D'abord, c'est une dépense transférée de l'État vers les collectivités territoriales à qui on n'a rien demandé. Deuxièmement, c'est une conception de l'école qui n'est pas la mienne. L'école primaire, elle est faite pour apprendre à nos enfants à lire, à écrire et à compter, pas pour les envoyer faire de la poterie ou des dessins avec un animateur qu'on paye avec un lance-pierre pour faire semblant de les occuper. J'ai rien contre les animateurs, j'ai rien contre la poterie, j'ai rien contre les... D'ailleurs, j'ai rien contre personne. Mais je pense que la mission première de l'école, c'est pas que vos enfants aillent en activité périscolaire au lieu d'aller à l'école. Si vous les mettez à l'école, c'est pour qu'ils soient avec leur maître, avec leur maîtresse, qu'ils respectent leur maître et leur maîtresse, qu'ils apprennent leur son et qu'ils fassent leur travail. C'est pas pour qu'on les occupe en dehors des heures d'école. C'est le deuxième élément. C'était pas exactement dans la question, mais c'est tout à fait dans ma réponse. Troisième élément. Vous savez ce que disait Coluche ? Je m'énerve pas, j'explique. Voilà. Mais avec conviction. Troisième moment. Je pense que c'est certainement l'un des points où je me suis trompé. Et si vous saviez depuis 2 ans et demi, comme je réfléchis à tout ça. Comme tous, j'ai voulu faire une réforme de l'éducation nationale et je suis parti d'une fausse bonne idée. Au fond, et je voudrais vous faire partager ce raisonnement. Je suis parti de l'idée que la réforme de l'éducation nationale, la bonne, devait partir de l'enfant. Et au fond, je me suis trompé. Pourquoi ? Parce que quelle que soit la réforme que vous mettez en œuvre, si vous n'avez pas des enseignants qui sont bien formés, qui sont bien payés, qui sont heureux de faire leur travail, qui sont décidés à le faire, votre réforme, elle ne sert à rien. Donc, au lieu de partir de l'enfant... Je crois qu'il faut partir de l'enseignant. Et en vous disant ça, je voudrais leur dire qu'il y a des dizaines de milliers d'enseignants dévoués, compétents. Il n'y a pas besoin que le ministre de l'Éducation nationale fasse des circulaires pour leur expliquer comment on apprend à lire, à écrire ou à compter. S'ils ne savent pas le faire, ils n'ont rien à faire comme enseignants. Ils n'ont pas besoin que le ministre leur tienne la plume. Mais, et c'est en lien avec les rythmes scolaires, le problème, un enseignant aujourd'hui a 18 heures d'obligation de service.
il les bloque sur 2 jours et 12 jours, ou 2 jours et demi. Et il n'y a plus d'adultes dans les collèges et dans les lycées, parce que mettez-vous à la place de cet enseignant, une fois qu'il a fait ses heures de classe, il s'en va. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de nos enfants qui n'arrivent pas à suivre en classe et qui ont besoin qu'on les aide et qu'on les encadre une fois que la classe est terminée. Tout ne se passe pas dans la classe, tout ne se passe pas dans la famille. Il y a un moment entre la famille et la classe, qui est la vie dans le collège, qui est la vie dans le lycée, où certains de nos enfants ont besoin qu'on les aide. Tout le monde n'a pas la chance d'être dans une famille où les deux parents sont enseignants, dans une famille où on a les moyens de payer des petits cours. Et je veux d'ailleurs tordre le cou à une idée fausse. L'égalité républicaine, c'est pas que le prof donne exactement le même temps aux 25 ou 30 enfants de sa classe, c'est que le prof donne plus à celui qui a du mal à suivre et perde pas son temps avec celui qui, de toute manière, suit tranquillement parce que c'est une vedette en classe, parce qu'il a l'esprit scolaire et parce qu'il n'a pas besoin qu'on l'aide et qu'il s'en sort tout seul. L'égalité républicaine, c'est que le maître prenne lui-même, après les cours, après la classe, en main les 5, 8, 10 enfants qui ont du mal à suivre. Et par ailleurs, qu'il me soit permis de dire que ça n'a rien à voir avec la situation sociale. Je connais des gens qui ont un travail, qui ont un niveau social très bon et qui ont beaucoup de difficultés scolaires avec leurs enfants. Tout le monde ne tire pas... Celui qui, même regardant pas son livre, a immédiatement 20. Comment il disait ? Oui, normaux. Non, non. On a compris que la normalité, c'est la médiocrité. Mais moyen. Bon. Donc, la réforme, et c'est en lien avec les rythmes scolaires, parce que moi, je préférerais beaucoup qu'en dehors des heures de classe, et nos enfants ont assez d'heures de classe, il ne faut pas en rajouter, on puisse avoir des cours, des petits cours, des cours réduits pour ceux qui n'ont pas compris la leçon précédente. Et donc, je proposerais que nos enseignants travaillent 30% de plus, qu'ils soient payés 30% de plus, et que le nombre total soit diminué parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants bien formés, bien payés, bien organisés et qui travaillent dans nos établissements. Et messieurs le maire, mesdames et messieurs les élus, à ce moment-là, le problème des rythmes scolaires se pose tout à fait différemment. Parce que ça voudra dire dans les 5 heures de plus qu'un enseignant aura pour faire du soutien personnalisé à ses enfants, en dehors des heures de classe, mais dans l'établissement, eh bien, vos enfants seront en cours de rattrapage quand ils auront besoin d'un cours de rattrapage. Nous sommes une société où les femmes travaillent. Et c'est normal, parce qu'elles ont leur indépendance. Et personne ne souhaite pour sa fille, enfin, si tout le monde souhaite qu'elle rencontre le prince charmant et que ça dure toute la vie, mais enfin... Depuis que j'ai une fille de 3 ans, j'ai compris qu'il fallait faire attention au sujet. Et donc, c'est très important qu'à l'école, on puisse avoir une structure d'encadrement pour ces enfants-là. Voilà. Et à partir de ce moment, vous voyez que la conception qu'on a de l'école, et c'est très important qu'on aille au plus profond de nos valeurs. Moi, je suis désolé, si on ne veut pas de classement et si on ne veut pas de notes, c'est qu'on ne comprend rien à l'école républicaine. Si les enfants ne se lèvent pas quand le maître rentre dans la classe, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'est un maître dans l'école de la République. Et s'il n'y a pas un enfant qui a envie de devenir maître à son tour, c'est que la place des maîtres dans l'échelle sociale n'est pas ce qu'elle devrait être pour donner envie aux enfants d'admirer leur maître et de vouloir un jour être comme eux. Voilà la réforme que je voudrais poser. Et merci à propos des réformes des rythmes scolaires de m'avoir permis de préciser ma pensée sur un sujet qui est absolument central pour les familles de France et qui sera un des sujets sans doute les plus difficiles que nous aurons à affronter. Monsieur le Président, à votre droite, en haut, dans le coin, à votre droite. Monsieur le Président, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour votre présence et surtout pour votre dynamisme. Vous l'avez bien souligné, la France est dans un désastre économique sans précédent et je pense que ça va encore durer quelque temps. Les seules professions qui fonctionnent normalement, ce sont les professions réglementées. Je pense aux pharmaciens, aux géomètres, aux notaires, à toutes les professions qui ont été inscrites dans le rapport de l'IGF, à savoir 37 professions réglementées.
Que pensez-vous du projet de loi qui a été élaboré hier concernant cette suppression des professions réglementées, sachant que les professions réglementées sont une garantie pour le citoyen français? Vouloir obtenir des professions comme aux États-Unis, je ne pense que ce n'est pas pour le bien-être du citoyen français. Quelle est votre position? Merci. Moi, je me demande dans quel pays on vit. Après s'être attaqué à la politique familiale, qui fait l'admiration du monde entier, voilà que la priorité du gouvernement, c'est de s'attaquer aux pharmaciens, qui n'est pas simplement un lieu où on vend des médicaments, c'est un lieu où on accueille, où on écoute, où on fait du lien social, c'est un lieu dans lequel on a confiance, et c'est si rare aujourd'hui les lieux et les personnes en qui on peut avoir confiance. On s'attaque aux notaires, mais si nous sommes l'un des pays d'Europe où il y a le moins de contestations sur le droit de propriété, c'est parce qu'il y a des notaires qui font leur travail, et un travail de bonne qualité. Comment défendre la propriété et être contre la reconnaissance d'une profession réglementée quand le notaire appose sur tampon sur le document, il fait foi, il s'impose? Vous auriez pu parler, monsieur, moi je n'ai pas honte, des huissiers, parce que l'huissier, ce n'est pas toujours celui qui vient chez vous, c'est parfois vous qui l'envoyez, parce que vous avez une dette à récupérer, parce que vous avez un pli à faire porter, et personne ne conteste quand il y a un constat d'huissier qui fait foi. Pourquoi vouloir démolir tout cela? Parce que ces gens ne votent pas pour le pouvoir en place? Pourquoi vouloir détruire ce qui marche? Parce que ces gens-là, les professions réglementées, ne cassent pas les abribus, ne manifestent pas. Pourquoi vouloir démolir ces professions-là en montrant ce qu'ils gagnent et en oubliant de dire le nombre d'heures que la pharmacienne passe pour que la pharmacie soit ouverte, y compris les jours de garde? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'on supprime le jour de carence dans la fonction publique pour faire plaisir aux syndicats qui sont des copains, et on dénonce les professions réglementées parce que, justement, le pouvoir en place ne les connaît pas, ne les comprend pas et ne compte pas sur leur soutien. Pourquoi modifie-t-on la politique familiale de la France? Ah, il n'y a plus d'argent, dit-on. Ah, il n'y a plus d'argent, parfait, parce que c'est rien comprendre à la vie que de désigner comme riche une famille qui gagne 5000 euros à deux et qui a 3 enfants à envoyer à l'école et à faire nourrir. Il n'y a plus d'argent, mais il y avait de l'argent pour créer 60 000 postes d'enseignants en plus dans l'éducation nationale. Ah, il n'y a plus d'argent pour eux. Mais comme par hasard, il y a de l'argent pour passer l'aide médicale d'urgence à des gens qui ne payent pas leurs cotisations en France de 500 millions à 800 millions. Voilà le choix qui est fait. Voilà le choix qui est fait. Rassurez-vous, ces informations ne seront pas données à la télévision. C'est la raison pour laquelle je me charge de vous communiquer ces informations. Je crois que j'ai été clair. Ça aussi, ça ne m'engagera pas. À votre gauche. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Dans votre tribune sur l'Union européenne, il y a quelques mois, vous avez pris la défense d'Alain Finkielkraut, auteur de l'identité malheureuse, et vous avez affirmé qu'il n'y avait pas de contradiction à défendre notre héritage culturel vis-à-vis de la mondialisation. Alors, ma question, elle est simple. Comment concrètement faire cela? Oh, j'ai pris la défense d'Alain Finkielkraut, qui est très capable et très intelligent de se défendre lui-même, mais j'avais trouvé insensé que des académiciens minoritaires, heureusement, aient décidé de voter contre la candidature à l'Académie, fort heureusement il fut élu, d'Alain Finkielkraut, parce que le crime, entre guillemets, de cet homme, c'est d'avoir osé prononcer le mot « identité ». A-t-on jamais entendu quelque chose de plus stupide? À tous ceux qui bêlent sur la diversité, je voudrais rappeler que s'il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de diversité. Que la diversité est la conséquence de l'identité.
Le jour où on a aplati la culture mondiale, le jour où il n'y a plus qu'une langue, qu'une seule culture, qu'un seul pays, où il n'y a plus de nation, voudriez-vous m'indiquer ce que nous aurons à partager ? À tous ceux qui croient dans la diversité, et je crois dans la diversité, je veux dire que sans identité, il n'y a plus rien. Alors, quelle est mon idée dans cette affaire ? Je suis persuadé que vous, mes compatriotes, vous avez compris qu'avec la mondialisation, on ne reviendrait pas en arrière. Qu'il va falloir changer beaucoup de choses, parce qu'on a déjà fait à vos grands-parents le coup de la ligne Maginot, et que vous savez que ça ne marche pas. Nous sommes 65 millions de Français. Il y a 7 milliards d'individus sur la planète, dont 4 milliards qui vivent en Asie. Si on ne comprend pas ça, si on nie cette réalité, alors c'est qu'on n'est pas des humanistes. Parce que les humanistes disent que chaque homme vaut chaque homme, et que chacun veut pour ses enfants le meilleur, et que chacun vaut pour lui-même le meilleur niveau de vie. Les Français ont compris cela. Mais ce qui est compliqué, et ce que je veux faire comprendre à mon tour, c'est qu'on peut parfaitement avoir la tête dans la mondialisation et vouloir garder les pieds dans son terroir et sur son territoire. Que veulent les Français ? Qu'on soit capable de se battre à armes égales dans la compétition mondiale, mais qu'on soit capable de laisser à ses enfants le même territoire, le même langage, la même culture, le même mode de vie que celui qu'on a reçu soi-même de ses parents. C'est cela, l'identité. Essayez de trouver le mixte entre la permanence de nos racines et la modernité du monde dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Et je veux dire une chose, c'est que la France n'est pas un pays comme les autres. Nous avons nos légendes, nous avons notre langue, nous avons notre culture. Nous sommes le pays de Victor Hugo, de Maupassant, de Flaubert, de Stendhal, de tous, de Balzac, de tous ces génies qui ont fait notre humanité. Nous avons ces paysages, nous avons ces parlers, y compris les parlers régionaux. Nous ne voulons pas abandonner ce qui fait notre identité sur l'autel de la mondialisation. Oui à la compétitivité, non à l'aplatissement culturel de toutes les nations. Nous voulons l'Europe et nous voulons rester la France. C'est quand même pas compliqué à comprendre et c'est possible de porter ce langage-là. J'ajoute, et c'est d'ailleurs au cœur de la question du redécoupage administratif tel qu'il nous est... J'ajoute, mes chers amis, que dans cette nouvelle formation politique que je veux créer avec vous, je souhaite que les artistes, les hommes de culture, ceux qui ont porté la culture de la France, puissent être les bienvenus chez nous. Je pense que la culture est une réponse à la crise. Elle ne doit pas être victime de la crise. Je pense que quand des villes entières sont sinistrées, la réponse, elle est culturelle. Quand j'ai supprimé un tiers des effectifs de l'armée de terre à Metz, ils m'ont demandé de transférer une administration. Je leur ai dit, je vais faire bien mieux, je vais vous faire le Beaubourg à Metz. Un an après, 1,5 million de visiteurs. Pour eux, il valait mieux des casernes vides, alors qu'il n'y a plus de service militaire, une administration de plus ou le Beaubourg. En pleine crise, alors qu'il y avait eu les conséquences de la crise de 2008, je me suis battu pour que Lens ait le Louvre, cher Gérald Darmanin. Pourquoi ? Parce que, moi qui suis un amoureux de Zola, ils ont connu la fermeture des mines, ils ont connu la crise du textile, ils ont connu la crise de la sidérurgie, ils ont connu la crise de la voiture, ils veulent vivre. Eh bien, en mettant le Louvre à Lens, on donne à Lens une possibilité de vivre entre le football, les sang et or, et le Louvre. La culture comme une réponse à la crise identitaire qui est la nôtre. Eh bien, j'aimerais tellement, dans une région comme la vôtre, où on croit tellement à son identité, qu'on comprenne que l'identité n'est pas une fermeture. Parce que quand on a une identité, on n'a pas peur de partager. C'est quand on n'a plus rien qu'on ne veut pas partager. Et je voudrais que notre famille politique porte haut cet étendard de l'identité. Je ne veux pas qu'on oppose le spectacle vivant et le patrimoine. Mais enfin, Corneille était déjà le patrimoine quand Racine était le spectacle vivant. Le spectacle vivant d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Et le patrimoine d'hier, c'est le spectacle vivant de l'époque. Et c'est très important d'utiliser ces références et de parler comme cela. Si on ne défend plus notre langue, si on ne défend plus notre culture, si on ne défend plus notre terroir,
Si on ne défend plus notre savoir-faire, qu'est-ce qui restera de nous ? Mais elle va bien au-delà, monsieur, l'identité pour moi. Quand je me suis battu pour que les chantiers navals de Saint-Nazaire ne ferment pas, c'est parce que je sais très bien qu'en quelques semaines, on peut fermer un chantier naval, mais il a fallu des dizaines d'années pour avoir le savoir-faire des ouvriers pour créer et pour construire des bateaux. Un pays qui ne sait plus fabriquer des trains, qui ne sait pas fabriquer des voitures, qui ne sait pas fabriquer des avions, qui ne sait pas fabriquer des bateaux, ce n'est pas un pays qui a une vocation industrielle, et c'est un pays qui tourne le dos à son identité culturelle, à son identité propre. Je veux que la France reste une terre de production et non pas qu'on s'abandonne à tous les vents. Voilà ce que j'ai voulu dire, voilà ce que je porterai. J'avoue bien volontiers, monsieur, que quand j'ai lancé le débat sur l'identité, sans doute j'avais raison sur le fond, mais que je suis mal pris sur la forme. Ou peut-être que c'était trop tôt. Ou peut-être que certains de mes amis n'avaient pas le même courage que moi. Mais quand eux parlent de l'identité alsacienne, je les sens pas recroquevillés sur eux-mêmes. Je sens au contraire qu'ils ont envie de partager. Et quand moi je parle de l'identité nationale française, c'est pas parce que je veux recroqueviller la France sur elle-même, c'est au contraire parce que je veux l'ouvrir. Et puis pendant qu'on y est, c'est pas votre question, mais ça sera aussi ma réponse. Monsieur le Président... Je veux qu'on parle de l'intégration et de l'assimilation. On a fait croire à trop de Français qui pouvaient devenir Français et rester exactement comme ils étaient avant d'être Français. Si on veut devenir Français, il faut parler français, adopter le mode de vie français, aimer la culture française. Voilà ce que je pense. Et dire cela, permettez-moi de vous le dire, ça n'exclut personne. Mais il y a un moment où il faudra rappeler aussi cela. Ça fait partie du débat sur l'identité nationale. Monsieur le Président, une question droit devant, à droite, au balcon. Bonjour, Monsieur le Président. J'aurais une question à poser sur l'Europe. Donc, l'Europe est tous les jours contestée de plus en plus. Alors, je voulais savoir si, notamment, si on pouvait mettre l'euro dans la Constitution française pour éviter certains passéistes s'emparent du sujet. Je crois avoir compris votre question. En tout cas, je vais y répondre à ma manière. Bon, il va se poser une grande question entre nous. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne ? Cette question est incontournable. Il y a deux stratégies possibles. Il n'y en a pas trois. Soit on converge, soit on diverge. Je suis pour la convergence. Je suis un passionné d'histoire. Avant 1940... nous nous sommes affrontés avec les Allemands pendant 3 siècles, tous les 30 ans. Ce n'est pas une anecdote. Ce n'est pas une petite chose. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la Seconde Guerre mondiale est arrivée parce que c'était une mauvaise génération. Parce que la génération d'Hitler, c'était aussi la génération de Thomas Mann. Et par ailleurs, la génération de Pétain, c'était aussi la génération de Proust. J'aimerais faire réfléchir à cela. 3 siècles, tous les 30 ans. Donc on arrête de plaisanter avec ce sujet, qui est un sujet très sérieux. Je pense à la convergence. Et je voudrais que l'Allemagne et la France, ensemble, prennent le pouvoir à la tête du gouvernement économique de la zone euro. À deux pays, nous pesons 50% du PIB de la zone euro. C'est à nous de mener la zone euro. J'aime beaucoup Chypre, j'aime beaucoup Malte. Mais ce n'est pas à eux. Parce que les grands pays n'ont pas plus de droits que les petits pays, mais ils ont plus de devoirs. Et le leadership, c'est un devoir, c'est pas un droit. Et si on voit le leadership comme un droit, on ne sait pas ce que c'est que le leadership. Et donc, à partir de ce moment-là, la définition d'une politique économique, elle se fait par les chefs de gouvernement, au niveau de la zone euro, à poser un certain nombre de questions très difficiles. Comment on rembourse la dette de la France sans croissance? Si quelqu'un croit que c'est possible, c'est qu'il se trompe. Sur l'Europe, que les choses soient claires entre nous, je ne crois plus à la capacité de faire évoluer le système de l'intérieur. Il faut maintenant qu'on prenne les choses en main
parce que sinon c'est tout l'idéal européen qui risque de s'effondrer. Et je parle aux habitants d'une région très européenne. Le général de Gaulle, quand il n'a pas été satisfait de la politique agricole commune, il a fait la politique de la chaise vide pour que ça change. Sur Schengen, la situation ne peut plus durer. Il faut faire la politique de la chaise vide pour obtenir un nouveau Schengen. Ou alors, on ne veut rien contrôler. Deuxièmement, je parle devant un parlementaire européen. Le Parlement européen a été créé en 1979. Je ne crois pas qu'on puisse garder le pouvoir d'initiative législative à la Commission alors que nous avons un Parlement depuis 1979. Il faut choisir. Je ne vois pas pourquoi la Commission s'érige en Parlement alors qu'il y a un Parlement européen. Il y a un Parlement européen, il est à Strasbourg. Que le Parlement européen légifère, que la Commission contrôle, éventuellement sanctionne, mais la Commission ne peut pas continuer à légiférer sur tous les sujets, la couleur des fraises, la taille des œufs et la réglementation des verrous. Troisièmement, on fait une erreur en pensant qu'il y a une Europe. Il y a deux Europes, mes chers amis. L'Europe de l'euro qui doit aller vers davantage d'intégration. Mes chers Philippe, tu le sais bien. Et l'Europe des 28 qui ira vers 32, vers 34 ou vers 36. Et je pense que nous devons supprimer la moitié des compétences communautaires de l'Europe à 28 pour nous recentrer sur quelques politiques majeures, politique industrielle, politique agricole, politique de recherche, et rendre toutes les autres compétences aux États. Sinon, le système va exploser. Enfin, dernier point. Quand je me suis opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, j'ai été insulté de toutes parts. Est-ce qu'on pense que ça irait mieux si la Turquie était en Europe aujourd'hui ? Quand je me suis opposé avec Mme Merkel à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, avec ce qui s'est passé récemment, vous pensez qu'on serait bien avec la résurgence de la guerre froide ? Permettez-moi d'ailleurs de vous dire que si on n'a rien d'autre à faire que d'être en guerre froide avec les Russes, c'est qu'on ne comprend pas la gravité du monde quand on voit des barbares d'une autre époque qui égorgent des gens en direct devant la télévision. Un peu de bon sens. Peut-être une dernière question avant de vous laisser. Bonsoir, Monsieur le Président. Juste à votre gauche, Giovanni Corbelli, conseiller municipal de la ville de Cernay. Et jeune élu alsacien, déjà ce que j'aimerais vous dire, c'est que déjà je suis heureux parce qu'en 2012, j'ai eu une fracture avec le mouvement. Depuis 2012, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et aujourd'hui, j'entends enfin des vraies valeurs de notre mouvement et enfin des questionnements et des réponses sur notre gouvernement et notre pays. Donc déjà, par rapport à ça, j'aimerais déjà vous féliciter. Et ma question, elle va être simple. Je suis dans le domaine des travaux publics et aujourd'hui, on a un gros souci. C'est la crise du bâtiment et des travaux publics. Le gouvernement actuel ne nous entend pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y aura bientôt plus d'emplois. En 2015, près de 30 000 emplois seront en moins en France. J'aimerais savoir si vous serez président, qu'allez-vous faire ? Bon, je rappelle que je suis candidat pour être président de l'UMP. Giovanni. Mais je vois c'est qu'il y a un lien tard. Entre nous, parce que moi, je suis marié avec Carla Bruni. C'est ça, exactement. Je lui dirais qu'il y a un Giovanni en Alsace. C'est ça. Alors, bon, ce qui se passe avec le bâtiment est invraisemblable. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et ce qu'a fait Mme Duflot, j'ai rien à titre personnel contre elle, mais franchement, arrêter la construction alors qu'il y a un tel besoin de logement pour nos jeunes, alors qu'il y a une telle faillite, une telle faillite économique et une telle liste d'attente de tous ceux qui attendent un logement. Et on a réussi, au prétexte de protéger le locataire, à supprimer le propriétaire et à faire en sorte que plus aucun projet ne puisse sortir de terre. Mais je ne vais pas m'en sortir là, Giovanni. Je voudrais vous amener à réfléchir plus grand. D'abord sur la question du beau.
c'est pas parce que le beau est subjectif qu'on n'a pas le droit d'en parler. J'ai vu l'année dernière un débat à Paris. On posait la question, vous aimez les tours ou vous ne les aimez pas? J'aime les belles tours et j'aime pas les tours qui sont pas belles. Très original. Quand vous allez à New York, est-ce que vous posez la question des tours? Quand vous allez dans la baie de Hong Kong, est-ce que vous posez la question des tours? Quand vous voyez Shanghai, est-ce que vous posez la question des tours? Ce que vous voulez, c'est qu'elles soient belles. Je connais plein de quartiers, le mitage, le fait qu'on soit à air plus sain n'est pas une garantie d'un urbanisme de qualité. Eh bien aujourd'hui, Giovanni, on est arrivé à un système où les règles sont tellement étouffantes que nos élus ont moins de risques à faire moche et légal qu'à faire beau et pas tout à fait dans la règle. Permettez-moi de vous dire que si on avait nos règles d'urbanisme, Versailles, ça n'existerait pas. La Tour Eiffel n'aurait jamais été construite. Le Louvre aurait été construit, aurait été dénoncé comme trop dense. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas accepter que les grands projets soient partout ailleurs dans le monde, sauf chez nous. Je voudrais qu'on rende de la liberté aux élus de faire des choses telles qu'ils les pensent, telles qu'ils les veulent, qu'ils discutent avec leur population de ce qui est beau ou de ce qui est laid, mais pas simplement de ce qui est légal. Avec la dernière association et le premier égoïste qui peut, à trois, bloquer un projet extraordinaire pour un pays. Quand je vois ce qu'a fait la Fondation LVMH et Bernard Arnault avec le nouveau musée de ce génie qui est Richard Kerry au Jardin d'acclimatation, qu'il a fallu 10 ans pour sortir ce qui restera sans doute comme un des plus beaux immeubles de la région parisienne. Mais nous sommes le pays des créateurs, des inventeurs, de ceux qui prennent des risques, qui aiment le beau. On ne va pas venir simplement le pays de la norme, le pays du statut, le pays du « je peux pas », le pays de l'interdit, le pays du « je dénonce », le pays de la jalousie, le pays de la médiocrité. C'est pas ça, la France. C'est le contraire du génie français. Et d'ailleurs, je veux dire en terminant que pour les jeunes, moi, quand je vois tous ces jeunes qui partent à l'étranger, mais ça ne me gêne pas que des jeunes partent à l'étranger, mais je n'aime pas la façon dont ils partent. Ils partent parce qu'ils pensent qu'on ne peut plus réussir en France. Ils partent parce qu'ils pensent qu'on ne peut plus prendre de risques en France. Mais si vous n'aviez pas aimé le risque, vous ne seriez pas marié. Vous n'auriez pas fait d'enfant. Vous n'auriez pas parti voyager. Vous n'auriez pas changé de maison pour en prendre une plus grande ou changé d'appartement pour améliorer votre niveau de vie. Vous ne seriez pas lancé dans une carrière. Vous n'auriez pas changé de région. Le risque, ça fait partie de la vie. On vit pendant 10 secondes. Autant qu'on fasse de ces 10 secondes quelque chose de grand, qu'on a jusqu'au bout de nos possibilités. Et je veux dire que pour vos enfants dans la même famille, avec le même sang et avec la même éducation, il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. Eh bien, le but de la vie, c'est que chacun d'entre nous puisse aller jusqu'au bout de ce qu'il est, et non pas de ce que la société voudrait qu'il soit, et non pas de ce que l'État voudrait qu'il soit. Vous savez, mes chers amis, il y a autant de différences qu'il y a de vie. Il y a des gens qui sont hyperactifs, j'en connais. Il y a des gens qui sont contemplatifs, j'en connais aussi. Mais après tout, que chacun fasse ce qui lui ressemble et ce qui lui correspond. Et vous voyez, en partant du bâtiment, on arrive à la même chose, un débat sur les valeurs. Je crois au risque, je crois à la vie, je crois à la prise d'initiative, je crois au rêve, je crois à quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous dépasse. Je voudrais faire de ma vie quelque chose qui soit plus fort que ce qui est plus grand que ce qu'elle a été quand je suis né et du destin qui m'était promis. Eh bien, je voudrais ça pour chacun de vos enfants. Je voudrais ça pour chacun d'entre vous. Et par-dessus tout, je voudrais ça pour notre famille politique. Je veux une grande famille politique. Je veux des milliers de militants. Je veux que vous veniez dans cette formation politique en étant fiers, en vous disant que le patron va rencontrer l'ouvrier, que le rural va rencontrer le citadin, que le jeune va rencontrer le moins jeune, que le riche va rencontrer le pauvre, et que tous ensemble, on fait une petite France qui va porter une grande vision pour la France. Alors j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre vote. J'ai besoin de votre mobilisation. J'ai besoin de votre engagement. Et je vous garantis, on va faire la plus grande formation politique qui ait jamais existé dans la République française.